Tu veux venir? Ah oui, je t'ai fait. Viens. Viens. Hello. On est le 18, on est quel jour? Vendredi 19. Qu'est-ce que je raconte? 19 juillet. C'est ça, Sarah? Vendredi 19 juillet. Aujourd'hui? Oui. Vas-y, ah bon? Ah oui, non, mais c'est parce que j'ai dérâché. Oui. Donc, oui, désolée pour cette longue intro. Je vous fais un trou dans mon lit. Et en plus, il y a un peu de luminosité, mais c'est pas grave. On va faire AV parce que voilà. Il est maintenant 8h34. Et je sais pas quand on part parce que je dois partir au champ avec ma soeur comme d'habitude. Et en plus, là, j'ai un colis à récupérer, ma commande de chez Vinted. Donc, je sais pas à quelle heure on y va, puisqu'elle dort. Et puis voilà. Sinon, pour le kiff, je refais une présentation. On sait jamais si tu tombes sur cette vidéo par hasard. Moi, c'est Chrislaine, j'ai 19 ans. Actuellement en vacances. À la rentrée, je garde des enfants. L'année prochaine, sûrement, je passe le CAP. AE, RPE, là. C'est comment déjà? AE, PE, c'est ça. Et accompagnement éducatif de la petite enfance. Et puis voilà. Si tu veux me follow, n'hésite pas. Et puis on se retrouve plus tard quand je sortirai ou quand j'aurai fait mes courses ou quand voilà. Ouverture. On est rentré au champ, je vous montre de suite ce qu'on a acheté. Alors, j'ai pris les deux couleurs de laine, 5€ chaque paquet pour mon plaid. Mes céréales, des petits sachets pour les caca des chats, du lait d'amande, j'ai trouvé, et les laines noisettes. Et j'ai récupéré mon colis Vinted. Voilà, les brosses, elles ressemblent à quoi? Mais elles sont petites. Elles font la taille de maman. Faites pas attention à mon eczéma. Ça, c'est le Furminator. Et après, t'as le repousse-poil. Et ça, c'est l'autre. C'était vendu par l'eau, du coup, c'est cool. C'est trop mignon, ça. Bref, on va tester, on va voir. Donc voilà. Et aussi, vous avez vu que mes cheveux ont rétréci là. Je me suis lavé les cheveux. Regardez-moi ce shrinkage. Enfin, avant, j'avais pas un shrinkage comme ça et maintenant là, c'est incroyable. Enfin bref. J'ai donc testé le shampoing Rasoul du coup. C'était super. J'ai vu que c'est la première fois, tu vois, je suis en mode kiff, en mode oh c'est trop bien et tout. Mais je pense que je vais le continuer. Et je vais vous en dire des nouvelles plus tard. Là, je teste un peu et après, on en reparlera plus amplement. Et normalement, je vous mets des images en même temps ou à côté, je sais pas. Et je kiffais trop mes cheveux. Et puis voilà. Je sais pas si je suis cadrée. Donc, au niveau du dos, ça fait 4 fois que je recommence la story et j'arrive pas à me cadrer au niveau du dos. Enfin bref. J'espère que vous avez bien vu. Attends, je recommence. Par là. Et là, je vais tricoter, je vais continuer mon plaid. J'espère un jour je vais finir la vie. J'espère que je vais le finir. Donc, je vais y aller et je vais regarder des vidéos, des films YouTube. Oui, je regarde des films YouTube des fois. Enfin, en ce moment. Parce que j'ai vu, il y avait des films YouTube et bref, je regarde. Il y en a un que j'ai regardé hier soir, il est trop bien. Je sais pas si je vous le mettrai en bas, mais ça s'appelle Love Story, je crois. Et la chaîne, c'est Film Romantique. Enfin, bref. À plus. Coucou, on est samedi 20 juillet, il est 10h05 et là je vais faire un petit déjeuner pour ma grande soeur. J'ai envie de tester l'omelette sucrée du jus de canne avec la banane. Moi j'aime pas trop la banane donc du coup je sais pas si je vais m'en faire une, mais je vais goûter dans la sienne, je vais voir si je kiffe. Et c'est parti, je vais faire ça. Dans sa vidéo elle a mis du lait d'amande et moi je vais mettre du lait de noisette. Le lait d'amande que j'ai acheté je vais le garder plutôt pour mes céréales parce que c'est trop bon avec les céréales. Donc c'est parti. From the very start.
Putain, c'est super liquide. C'est pas trop liquide. Oh my god. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Pour être honnête, je suis pas très sereine. J'ai l'impression que j'ai loupé une étape. J'ai mis les bananes là et puis on va attendre, je vais couvrir ça. Oh là 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 là, regardez comment c'est. J'espère qu'elle sera bien. Je suis grave perplexe. Je ne sais pas. Je sais pas quoi faire. Est-ce que c'est prêt? Est-ce que c'est pas prêt? Je sais pas. Est-ce que je sais pas. Est-ce que je risquerai de la retourner? Je doute. Peut-être que je vais la rouler, je sais pas encore. Bon, je vais me concentrer. Allez. Ça se tient pas du tout. J'aurais peut-être dû verser tout. J'ai pas tout mis, t'as vu? J'ai pas tout mis. J'aurais peut-être dû tout mettre. Je sais pas. Bon, je vais faire un truc brouillé, hein. Écoutez, ça va pas être joli. Oh my god. C'est peut-être un petit fail. Hein. Ça ressemble plus à rien du tout qu'à quelque chose. Mais peut-être que j'ai mis trop de lait parce que j'ai mis à l'œil, j'ai plus de trucs pour mesurer. Donc c'est un big échec de ma vie ever. J'ai jamais vu ça. Qui va manger ça, wesh? Personne. Deuxième et dernier test. Si je rate cette fois-ci, c'est que j'ai mal mis les quantités, t'as vu. Vu que j'ai fait ça à l'œil. Là, j'ai mis beaucoup moins et j'ai mis 3 œufs et on verra. C'est parti. Oh purée, j'aime pas rater des trucs, c'est chiant. Mais je vais mettre plus, je vais remplir. Comme ça. Oh, j'ai pas envie de mettre. Oh. Bah allez. Donc, j'ai mis une demi-banane, j'ai mis plus de liquide. Putain, c'est pas un peu flou là. Ah, donc, attends. Je disais, j'ai mis une demi-banane. Et là, on voit que ça s'enfonce un peu plus. Donc, du coup, j'espère que ce sera bon. Je vais le couvrir et on verra. Allez, c'est reparti. Yes. Pour l'instant, ça a l'air nettement mieux. Et là, je vois qu'il y a de la dorure et tout. Je vais voir si je vais réussir à le retourner déjà. Mais ce serait plutôt pas mal. Première étape, les gars, la plier en deux. Ça crame, là, ça a accroché, donc c'est chiant. Bon, on va mettre dans une assiette. Hein. Oh yes, regardez. Finalement, j'ai pris deux trucs comme ça et je vais retourner en mode comme ça, n'importe comment. Et là, j'attends 2 secondes que ça cuit avant que ici ça crame. Franchement, peut-être la prochaine fois, ça sera mieux réussi. Là, c'est la première fois. Vas-y, t'as compris. C'était la galère. Mais maintenant, faut que ce soit bon. Et je vais faire une présentation pour ma soeur. Mais je vais pas en faire une pour moi parce que c'est bon. Flemme. Vous voyez, il y a quand même une nette différence. En suivant la même recette, bon, à l'œil, certes, mais c'est moi qui ai foiré ici. Et là, elle est quand même pas mal réussie. Ma soeur, elle me dira si c'est bon. Je vais faire les toppings, la décoration. Et je vous montre après. Hey, ça n'a rien à voir. Hein. Et je vais lui ramener du sirop d'agave. Et puis voilà. Si c'est pas trop healthy, ça. Mais vachement Instagrammable. D'ailleurs, je pense que je vais mettre sur Insta. Attends. Appuie. Bref, après Carmelo, je sais pas si vous l'avez entendu miauler, moi j'ai pris un peu de fruits, pas beaucoup, parce que je suis... Oh purée sa mère. big fail en live. Toi t'aimes pas la banane. Heureusement avec la banane qui est tombée parce que j'aime pas trop la banane. Enfin bref. Finalement, comme tout à l'heure, il était 11h, et ben j'ai pas pris de céréales, j'ai juste pris des fruits. Et après, j'ai mangé des pâtes avec la salade et du cachet. Et là, ça c'était ce que j'ai tricoté hier. Vous rappelez, vu que j'ai commandé de la laine, enfin j'ai acheté de la laine. Et pour l'instant, je suis à live, là, je vais continuer et je vais regarder les vidéos YouTube. En plus, on est samedi, il y a plein de vidéos qui sortent, dont les miennes, à 17h aujourd'hui. et voilà. On est dimanche 21 juillet et j'étais en train de faire le petit déjeuner et j'ai juste envie de vous montrer ça avant de couper ce vlog. Donc je vais vous montrer ça, j'en suis au topping. Regardez-moi ça. C'est déjà normalement si vous suivez mes vlogs, j'ai déjà montré ça et j'ai fait pour moi et pour ma soeur pour le coup. Et là je vais couper mes petits fruits. Donc voilà, vous connaissez, je suis juste trop fan. C'est tellement de la frappe. Trop joli en plus. Faut que je la mette sur Insta aussi. Bon, bon appétit. Oui, et surtout, quand il y a le petit jus là, qui fait sirop de pêche sur les pancakes, c'est très bon. Enfin, je trouve ça très bon. Cette association est très très bonne.
Sur ce, merci d'avoir regardé ce vlog. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. À regarder mes précédentes vidéos et à me suivre sur mes réseaux sociaux. Et puis voilà. Je partage pas mal de trucs. Enfin, pas des matchs, je vais pas vous surplomber votre feed Instagram niveau story. Mais de temps en temps, des fois ça va fort, je mets plein de trucs et des fois c'est moyen et des fois j'en mets pas. Donc voilà. Bref. À dans une prochaine vidéo et sur ce, bisous.